Le Turfu, cet endroit où on veut tous aller, parce que quand on regarde le présent, franchement, on a une belle planète, hein. C'est dommage qu'il y ait autant d'abrutis qui soient placés pour en faire n'importe quoi et prendre les plus mauvaises décisions qui soient. On va revenir au jeu, puisque aujourd'hui on va découvrir un titre qui plaira beaucoup aux gens qu'on apprécie en particulier, Portal. Ce titre c'est Magrunner Dark Pulse. Pourquoi Dark Pulse? Parce que ça parle de magnétisme. Et si vous avez aimé Portal, je pense que celui-là vous allez l'aimer aussi, parce que dans le genre cassage de tête, il va vous emmener assez loin, je pense. On va regarder le principe, ce sera plus simple. I am Gamachi, mutant, inventor, scientist, for you to understand. I need to start at the beginning. In the 21st century, the Glückersberg Corporation rose to a position of world dominance. By 2035, their LifeNet total existence network had linked billions of people across the globe, encompassing social, economic, government, private and public services within one monstrous, ever-evolving system. With LifeNet and the corporation's vast financial resources, Glückersberg accomplished what governments could only hope for. A worldwide populace that wanted to conform, and that was willing to sacrifice privacy for security, safety, and interaction. The CEO, Kram Glückersberg, pooled tens of thousands of scientists together to find a new source of free energy to be used for space exploration. The result was magnetic technology. Glückersberg's space program would be a three-month test of not only MagTech, but also citizen explorers, astronauts chosen from the populace. After worldwide selection trials that tested the applicants' athletic capabilities and knowledge of mathematics, physics and psychology, seven candidates were chosen to enter Glückersberg's training facility. These seven, selected from scientists, athletes and civilians, would take Glückersberg's technology to the stars. Glückersberg called them his Magrunners. A 500,000 square foot training facility filled with puzzles and physical obstacles was built over the San Andreas Rift. The world watched and waited. This young man is Dax C. Ward. Dax's father, like me, was an expert in genetics and cybernetics. One of the few who had no compunctions about working with a mutant. James and his wife Lavinia became my closest friends. When the accident happened, Dax was left in my care. I raised the boy the best I could, and he soon began to show signs of his father's brilliance. Dax had an aptitude for robotics, genetics, engineering. He read everything he could about Glückersberg's MagTech and began to apply the same principles to creating his own technology. By the time he was 11, he had started his own business, repairing and creating new devices. By the time he was 15, he had built and programmed the Newton prototype, a one-of-a-kind electromorph robot. So I suppose that I shouldn't have been surprised when he told me on his 23rd birthday that he wanted to apply for the Glückersberg MagTech program. He had the skills, and he had the brain for it. As we completed work on his custom maglove, I knew he was ready. Bon, en fait, le futur, ça va pas être si drôle, hein, si on a bien vu l'intro, puisque cette espèce de mélange, vous allez conquérir ailleurs, mais on vous fait une espèce de Hunger Game, puisque there can be only one, on fait qu'une place au meilleur. Today, Glückersberg MagTech is proud to unveil our space exploration training facility. Regardez-moi cette tête de winner. Tout sous-entendu serait purement accidentel, volontairement. The creator of the facility and genius MagTech engineer.
Alors, pour résumer un petit peu le blabla, puisque ça va blablatérer beaucoup hein, pour pas grand chose, surtout que c'est relativement moche comme props, hein, on va le dire franchement. vous avez été sélectionné par vos talents, par vos skills, pour faire partie de l'équipe ultime hein, qui pourra permettre de sauver la planète et conquérir d'autres mondes probablement. Et du coup, on vous met une nana à jupe courte et talons hauts pour vous motiver. Comment ça, je m'égare? Non, c'est si, c'est ça, hein, regardez, c'est écrit. Et on vous met aussi un gros mec moche qui vous servira de gourou. C'est super important. Oui, s'il avait été canon, vous seriez devenu... Ah, vous voulez pas le savoir. Oh, il a bien fait de remettre la nanette à talons quand même. Alors l'intro du jeu est pas terrible, folichon. Le scénario, c'est du gros bateau, on va dire. C'est du paquebot, voilà. Pas que beau. Oh, il y a une tomate qui est tombée. Encore une. Oui, je fais attention à tous les détails. Tellement je suis focus sur ce scénar. Encore une. Ah, mais, ça s'arrête pas. Et donc les missions qu'on va faire, on va en parler un petit peu. Vous allez être mis dans des salles de, comme des cobayes. Et les meilleurs qui s'en sortent eh ben, auront accès à la salle suivante. Je ne sais plus combien il y en a exactement dans ce jeu, je crois qu'il y en a une cinquantaine. Et vous allez voir que c'est pas si simple, puisque les mécaniques sont basées à partir de cubes que vous pouvez bouger avec un fusil tracteur, un bras tracteur. Et ces cubes ont une particularité, c'est leur polarité. Ça veut dire que vous allez pouvoir la changer de plus à moins pour les faire interagir de manière à ce qu'ils s'attirent ou se repoussent. Shazam. Oui, je suis très fier de moi puisque j'ai compris du premier coup que quand on a la même polarité de la couleur rouge, ça s'attire. Et donc... Non, je ne ferai pas cette conclusion, c'est horrible. Mais oui, les verts se repoussent, c'est bien connu. Aucun sous-entendu, aucun. Donc le démarrage du jeu, hein, c'est du tuto, hein, faut pas râler qu'il n'y a pas trop de difficultés. Et vous allez voir que ça va vite devenir un petit peu encombrant pour le cerveau. Alors ces cubes, j'ai oublié de mentionner, il faut les amener quelque part, pas devant la porte. Là, notre cobaye fait absolument n'importe quoi. Je sais pas qui c'est d'ailleurs. Ah si, ça me dit quelque chose. C'est encore un de mes clones. En fait, oui, il faut amener vos cubes à un endroit précis pour déclencher cette magnifique machine dont on ne sait absolument pas ce qu'elle fait. À part qu'elle nous ouvre l'accès à la salle suivante. Yaka. Donc c'est pas très très compliqué comme gameplay d'apparence. Deux cubes, ça s'attire, ça se repousse. Après, faut voir comment le jeu développe ça. C'est la surprise. Allez, on change d'étage. Look at this tech. How did Xander develop this stuff? Just focus on your training. I'm going to limit our transmissions to the elevators between levels. Donc là, on me file quand même la réponse de l'énigme de l'endroit avant même que je commence. Oui, effectivement, je peux me mettre sur des cubes et puis changer leur polarité pour pouvoir me déplacer à des endroits pas accessibles en me faisant propulser.
Yatta. Bon, ok, c'était un bullshit, la machine à activer obligatoirement pour pouvoir ouvrir une porte. Mais ah, vous y avez cru quoi, c'est ce qui compte. Allez, niveau suivant. Une nouvelle salle, un nouveau casse-tête, quel bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un cube par terre, on a un cube là-haut. Ouais. Moi, récupérer cube là-haut pour... pour les mettre au milieu du rond là-bas et me faire élever là-haut. D'accord, on va voir ce que ça fait ça. C'est beau, ça change de couleur. Alors ça peut être magnétisé aussi. Oui, si ça peut être magnétisé, c'est qu'il y a une utilité. Ok, the plateau is here. Me, I want to get the cube qui est là-haut. Pourquoi je parle tout mélangé en français et anglais? Because. The cube. Voilà. Magnétisé, sagement. Parce que j'attends qu'il monte sur le plateau. Bah non, il ne montera pas, il est en train de pendouiller dessous comme une. Comme sous un rétroviseur, on va dire. Oui, il y avait un autre terme pour ça. And voilà. Ok. Bah, y a plus qu'à. Au revoir, petite salle. Hein. C'est tout ce que j'avais à faire, sûr? Ok. C'est simple pour l'instant, c'est simple. Je n'ose pas partir, en fait, parce que je me demande s'il n'y a pas une connerie. Avec une histoire de gâteau ou je sais pas quoi. Alors là, on me tease déjà sur ce qui m'attend plus loin, mais je sais pas. Je vais regarder la dame avec des bottes. Non, remets la dame, s'il te plaît. I have the same chances as the other mag runners at passing. I don't see why you keep... Same chances? Oh, of course, of course. Same chances. Right. I'll tell you what, Dax. How about an exclusive interview and the front page of LifeNet Science Online? Sure. Yeah. Alors le scénario est vraiment pas folichon quoi, c'est le genre de truc, on a plus envie de le zapper que de l'écouter. Enfin bon, il faut une cohérence à tout ça. Où c'est qu'on arrive? C'est une vitre. C'est, ouais, bon, ça veut pas passer en tout cas. Ok. Fascinant. Si je suis inquiet, oui, un peu beaucoup. Parce que je me demande là où il va m'emmener. Alors, j'ai un truc là-haut. Il y avait un inter dedans, il me semble. J'ai une issue là. Et j'ai ça. C'est quoi ce symbole? Alors ça, bon, il y a des cubes à mettre là-dessus, ça c'est évident. Pour faire quoi? Bah pour péter la vitre au-dessus et que ça active l'inter. Ça monte pas assez haut. C'était beaucoup trop simple. Si je prends mon cube et que je veux aller essayer de monter là-haut. C'est une autre option, hein, je sais pas. Y a un passage. S'il y a un passage, c'est fait pour que j'y aille. Alors, je joue à la manette, hein. C'est praticable, mais c'est pas le top. Je pense que ce sera beaucoup mieux à la souris pour vous. J'ai pas joué à la souris exprès pour pas vous faire des mouvements trop brusques qui vous donneraient un peu la gerbe. Oui, on n'est pas en VR, mais je pense à ce genre de détails. C'est mignon. Chouing. Oui, j'ai essayé la technique du double
Double déclenché. Apparemment ça marche, mais j'en avais même pas besoin puisque j'étais à la bonne hauteur. Mieux. C'est pas comme il faut ça. Mieux, mieux, mieux. Mieux, mieux. Mieux. Polarisation. Non, c'est pas assez haut ça. Ah. Ok, donc faut bien que j'en déclenche deux. Et idéalement. Swing. Yes. Oh, je vois un troisième cube. Alors, ça va être sport. Parce que oui, il faut que j'active ce truc, c'est certain quoi. Idéalement, on a tous compris ce qu'il fallait faire. Poser les trois cubes là-dessous. Ding ding ding. Et puis kaboum, ça va tout péter. Alors, il doit y avoir une petite finesse sur le sur la façon d'amorcer le décollage des cubes. Il faudrait que je réfléchisse un poil quand même. Ça, gna gna. Gna. Rogna. Je pense qu'il y a une feinte là parce que c'est trop simple. C'est un peu chelou. Bim. Alors là, ils sont neutralisés. Parce que normalement, ils auraient dû bouger. Mais vu qu'ils sont sur une dalle spéciale, il n'y en a pas aucun à bouger. Hop. Ok. Si je tape le premier, ça fait décoller les deux autres, mais ça va pas assez haut. Donc ça veut dire qu'il faut que je tape le premier et que je vise bien comme il faut et je tape le deuxième juste après décollage. Ça me semble logical. T'as bougé trop vite, mec. Ah, passe sur ma... Si. Ok. Bon, je crois que je tiens le truc. Mais alors, le réaliser, ça va être un peu chaud, je trouve. Alors, il y a un petit reproche qu'on peut faire au jeu par rapport à Portal. Attends. Ouais. C'est que, contrairement à Portal où on plaçait nos trous tranquilles, puis après c'était juste à gérer les placements et puis la physique. Là, à chaque fois qu'on se plante, faut aller ramasser les cubes. C'est une perte de temps assez immonde. On n'avance pas, on a l'impression. J'espère que... Sabotage. J'y crois très fort. Bon, il faut la dalle. Oui, fusée à trois étages, quatrième tentative. Ça, et après ça, tranquille. Bim. Bim. Ah putain. Bim. Si la solution c'est réellement ça, c'est quand même déjà. On est à laquelle ? Quatrième salle ? À peine ? C'est déjà bien tordu, je trouve quand même. Je suis inquiet pour la suite, si tant est que j'arrive à la suite. La fusée à trois étages, à cinquième essai. Pourquoi elle a vrillé? Space dit... Eh.
Donc, comme vous le verrez, il faudra l'expérimenter par vous-même, puisque oui, il y a une démo disponible sur les sites de Demat. MagRunner Dark Pulse, si vous avez beaucoup aimé Portal et que vous êtes pas mal en manque, ça devrait pas mal correspondre à vos attentes. Maintenant, si vous aimez les jeux de casse-tête et puis que répéter et répéter les tentatives ne vous fait pas trop peur, à vous aussi ça vous plaira. Si vous n'êtes pas parmi ces deux publics, vous faites comme moi, vous pliez, vous éteignez et puis vous passez à autre chose, hein? Allez, genre playlist, playlist, bouton d'abonnement ou un truc comme ça. Ciao.